Fun Radio. Enjoy the music. Il est arrivé. De 19h à 22h. C'est Cartman sur Fun Radio. Chaque été, il est de retour. Et il le dit lui-même, il l'annonce sur les réseaux sociaux. Il nous dit, attention, j'ai bien dormi cet hiver. C'est ça. J'ai bien hiverné, j'ai pris mon temps. Mais maintenant, ça y est, il est temps de rebalancer la musique. Et Kinvé est avec nous ce soir. Déjà, faites du bruit pour Kinvé. Ah, merci. Kinvé de retour avec un nouveau morceau. J'ai envie de dire un nouveau tube, parce que tu l'entends une fois, tu l'auras tout de suite. Et tu mentais, on entend en ce moment. Et comme d'habitude sur TikTok, il y a des stories dans tous les sens, d'habitude sur les réseaux, les gens chantent ta chanson, comme d'habitude sur les radios, c'est joué. Comment tu fais pour faire chaque année un tube? Non, en fait, je crois que c'est pas de recette de tube. Tu sais, le truc, c'est que quand tu kiffes ton truc, tu sais ce que c'est. Si tu fais de la radio et que tu vas à reculons, ton émission sera pas écoutée, c'est une logique. Alors que quand tu te fais un vrai kiff, moi, je sais que quand on l'a fait, je te jure, je sautais dans le studio, et c'est vrai, hein. Je sautais dans le studio, j'avais vraiment une énergie de truc, et j'étais vraiment en kiff dans le mood. Donc je pense que quand tu le fais comme ça, les gens le ressentent comme ça, et puis ça va bien avec l'été. Bah oui. Et quand tu fais une chanson comme ça, qu'est-ce que tu t'imagines? Est-ce que tu te dis, alors attends, je vais faire une chanson qui donne envie de faire la fête? Est-ce que tu te dis, je vais faire une chanson que je peux chanter en concert pour que le public chante avec moi? Est-ce que t'as des trucs comme ça qui t'aident? C'est juste du kiff. Ça, c'est vraiment les erreurs de ce que je faisais au départ. C'est vrai. Ouais, ça, c'est vraiment des trucs au début. En fait, à un moment, j'allais au studio, et je te jure, j'étais convaincu que je sortais du studio, j'envoyais mon prod, et je fais, c'est bon, j'ai un tube. Déjà, je pense que erreur 1, dire j'ai un tube. Ça, je pense que c'est dead. Ouais. Et en fait, j'étais vraiment tellement sûr, parce que je me suis dit, j'ai mis les ingrédients. Mais il n'y a pas d'ingrédients. En fait, la règle de base, c'est de se dire, que rien n'est tube tant que le public l'a pas décidé. C'est le public qui décide à chaque fois. Ouf. C'est le public et c'est comme un peu sur ce que tu fais aussi sur TikTok. Il y a beaucoup d'interactions avec ton public. Ouais. Tu es très actif avec eux. Il y a un lien très fort entre toi et eux. Quand tu sors une nouvelle chanson, comment le public il l'accueille? Ton public, le public qui te suit, est-ce que tout de suite il se l'approprie ou est-ce que parfois ils te disent, bah, tu vois, celui-là je l'aime un peu moins, ou alors celui-là c'est mon préféré? Tu peux pas en vouloir aux gens de comparer. En fait, c'est un truc qu'on nous a appris, qu'on est un peu formaté à comparer tout, tu vois. Bon, je peux pas en vouloir aux gens, mais après, je pense que c'est la nouveauté s'y surprend. Il y a plein de choses qui surprennent, mais en général, ils se l'approprient quand même. On va pas se mentir. Gaëtan qui se. Oui, s'il lève la main, putain, il fait trop de la peine. Je le trouve intéressant. Ce que j'aime bien, c'est qu'il lève la main et j'attends qu'il mette sa main en dessous. Ah, d'accord. Tu sais comment vous allez faire. C'est comme à l'école, comme ça. Très bien. Je pense que c'est une question intéressante. Oh là là, monsieur, ça raconte. Est-ce que tu écris des chansons maintenant en pensant quand même à l'utilisation qu'elles peuvent avoir sur TikTok? Tu mentais, ça peut être repris sur TikTok. Il y a beaucoup de gens qui disent, il me faut mes 15 secondes de TikTok. Je n'écris pas en conséquence de TikTok. Ouais. Par contre, c'est vrai que quand on le fait, quand il est fini, tu sais, qu'on l'a écrit et qu'on le pose, on se dit, ça c'est TikTokable. Tu mentais, par exemple, c'est extrêmement TikTokable. Bah tu vois ce que je veux dire? Voilà, tu vois, bon. On imagine ce qu'on peut faire avec, on peut s'approprier, on peut jouer avec. Traînes, genre un mème. Tu peux danser, tu peux. Ouais, c'est ça, c'est un mème. En fait, c'est que tu mets une histoire et puis tu fais, mais en fait, tu mentais, c'est facile. Est-ce qu'il y a des chansons que tu jettes? Par exemple, est-ce qu'il y a des chansons que tu vas en studio, t'enregistres, t'es que tu fais le texte et tu réécoutes et tu dis, il y a un truc qui va pas, je sais pas, c'est pas ma chanson ou c'est pas une chanson qui me plaît? Alors, tu peux pas faire par rapport que à toi, je pense, je pense que ce serait une erreur de faire que par rapport à mes goûts, parce que chacun des goûts est différent, mais on est une équipe et en vrai, par exemple, dans cet album-là, je crois qu'on avait 25-30 titres, à peu près. À peu près, non? 25, bon, on n'est pas d'accord. En tout cas, on en avait plus que 15, si tu veux. Ouais. Et il y en a qui ont été désélectionnés par logique. En fait, si tu écoutes tout l'album, nous, quand on l'écoute, on y avait beaucoup plus, tu vois. Mais quand on a écouté tout l'album, on s'est dit, OK, celle-ci, par exemple, bon, on peut la remplacer par un tel. Si on peut la remplacer par un tel, c'est qu'elle n'a pas réellement une place. En fait, tu fais un peu comme dans un film, tu fais un montage, en fait. C'est exactement ça. Florent, une question. Et il y en a que tu gardes et que tu réutilises à l'album d'après, par exemple, en les modifiant. Putain, celle-là, elle est bien, mais elle va pas dans cet album, mais par contre, putain, elle est. Ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé même. Et en fait, il y a même des trucs où tu te dis, ça peut être mûri. C'est genre, si tu la mets maintenant, Métier Sérieux, par exemple. Métier Sérieux, elle avait 7 ans quand elle est sortie dans un album. Ah bon? Ouais. En fait, elle est passée par du reggaeton, elle est passée par de la soca, elle est passée par tout jusqu'à finir en merengue. Mais à la base, Métier Sérieux, elle a eu un temps avant de se dire, parce que j'aimais bien le texte et tout, le mood que je faisais dessus, mais j'arrivais pas à me dire c'était ça. Tu sais, il y a un truc où quand t'écoutes, tu te fais OK, c'est ça. Ou t'étais par exemple. Sûr. En fait, quand je l'ai entendu, j'ai fait. Et le mec, je sais pas qui fait ça, mais il est rapide. Hein. Monsieur. C'est que je dis Shakira, tu me sors un Shakira. Pas déconner, il savait que tu venais, il a préparé quand même. Il m'a sorti un Shakira. Merci, il est bon.
Marion. Bah, oui, ouais, je suis connectée sur les réseaux et partout. Et il y a beaucoup de gens qui veulent savoir comment tu vas. Tout simplement, on va écouter juste le message de Cathy. Elle vient de l'envoyer. Hey. Alors moi, j'aurais voulu savoir, en fait, comment tu te sens à 24 jours de la sortie de ton album et au niveau de la tournée. Voilà. Bisous. Bisous. La tournée, ça démarre le 21 juin. Ouais. 18 novembre 2023, Zénith de Rouen pour les 15 ans de carrière. Rouen, c'est ton fief. C'est chez moi, c'est ma chez maison. Ouais. Voilà. Et ça, j'imagine qu'à la fois, c'est stimulant. Et en même temps, quand on va pas se mentir, il y a beaucoup de pression. Bah, on se chie un peu dessus juste avant de monter sur scène, non? Moi, maintenant, je gère mieux. Ouais. Ouais, je respire beaucoup et tout, c'est, je gère vachement mieux. Mais parce qu'en fait, avant, je me rends compte que je me mettais un stress, tu sais, le mauvais stress, genre j'ai peur de décevoir. Ouais. Et en fait, ouais, je pensais que c'était un bon stress. Hein. Je pensais que c'était positif. Jusqu'à me rendre compte que c'est très con, parce qu'en fait, si je me mets ça en tête, c'est négatif. Mais de ouf. Bien sûr. Mais non, mais pour moi, en fait, c'était pas négatif, parce que je me disais, je veux pas décevoir les gens qui sont venus me voir. Donc en fait, dans mon esprit, c'était positif. Mais en soi, la logique fait que c'était négatif. Donc non, maintenant, je pense juste à me dire, donne-toi à fond, au pire des cas, c'est plus ma responsabilité. Moi, si je me suis donné à fond, j'ai plus rien à regretter. Bien sûr. Tu vois? Bien sûr. Et est-ce que tu sens qu'il y a un changement depuis que toi-même, t'as changé? On en a parlé déjà la dernière fois où t'es venu, tu nous as dit, moi, ma carrière, elle a été un peu parfois même en dents de scie, presque au point mort. Mais ça a été aussi des moments où j'ai fait le point, où j'ai avancé. Et aujourd'hui, je vois les choses carrément différemment. Est-ce que t'es toujours dans ce mood-là ou est-ce que ça a encore évolué depuis? Non, ça a encore évolué. Je pense que je suis... Je relativise maintenant beaucoup. Ça veut dire qu'avant, par exemple, quand on a sorti Tu Mentais, ouais, les radios l'ont pas rentré tout de suite. Ouais. Où t'étais, il était rentré instinctivement. J'aurais pu... Avant, je me serais dit, ah ouais, elle l'aime moins. Ouais, ça y est. Ouais. Non, je laisse juste le temps. Ouais. C'est pas grave, ça va prendre le temps qu'il faut. Ça, en fait, je me stresse plus. Mais non, franchement, je me fous la paix. Hein. Non, c'est vrai. C'est bien. Hein. Non, mais c'est bien d'être en paix. Je me fous grave la paix. C'est bien. C'est chouette, ça permet de se concentrer sur autre chose et de faire plein d'autres choses. On a plein de questions qui arrivent au fur et à mesure. On a répondu à Cathy, pardon. Bah, non, comment tu te sens du coup à l'approche de la sortie de l'album qui est déjà en précommande d'ailleurs. On peut juste guetter le fait qu'elle a commencé par Hey, comme si elle allait faire la meuf dans Nouvelle École. Nouvelle École. Ah oui, c'est vrai. Hey. C'est vrai. Comment son couplet déjà? Hey, elle a fait hey. On a coupé parce que normalement elle dit hey puto, give me mon chico. Mais donc ouais, non, je suis à 24 jours de la sortie de d'équilibre qui sort donc le 7 juillet. Je suis un peu hâte parce que j'ai vraiment envie de savoir ce que les gens vont en penser. Moi, je sais ce que j'ai fait dedans. Je sais pourquoi je l'ai fait et je sais le travail qui l'évolution qu'il y a, mais j'ai envie de l'entendre de la bouche des gens. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et est-ce que tu as envie de l'entendre de la bouche quand tu dis des gens, tu parles de tes fans ou tu dis ah, c'est aussi l'occasion d'aller chercher d'autres gens qui me connaissent pas? Non, en fait, moi déjà en premier lieu, c'est les gens qui t'aiment. Ouais. Ouais, en fait, mais après, je me mets pas de pression non plus par rapport à ça. S'ils aiment plus ce que je fais, c'est pas grave. C'est-à-dire que chacun a le droit de vivre sa vie, tu vois. Mais c'est vrai que cet album-là peut attraper d'autres gens. En tout cas, il y a des gens qui m'écoutent pas nécessairement et qui ont été un peu surpris par cet album. Mais moi, je suis sur Benjamin Biolay. J'ai écouté le nouveau Kindle, j'en ai pris plein la gueule. C'était génial. Les textes sont extraordinaires. J'ai adoré Tu Mentais. J'ai découvert où t'es. Alors, Mademoiselle Valérie, je connaissais pas. Alors, qu'est-ce qu'il lui met? Marion. Est-ce que tu vas te le faire tatouer cet album? Tu les as tous fait tatouer. Je suis obligé. Déjà, tu vas le faire où t'as de la place? Je vais le faire je vais trouver de la place. Mais non, je vais sur le faire. Sur le sexe. Tu mentais. Je suis pas sûr de pouvoir écrire équilibre dessus. Ouais. Mais non, en fait, c'est. Je vais attendre l'été, tu vois, parce qu'on va prendre le soleil, donc pas de tatouage, ça paraît logique. Donc après, avant la tournée, je pense que je le ferai. Ah. Mais tu fais quoi? Tu fais la pochette? Tu fais un mot qui te rappelle l'album? Non, franchement, je vais écrire équilibre parce que l'écriture de l'équilibre, il est vraiment très beau. Elle est cool, ouais. Ouais. Bon, bah super. Et on a encore plein de questions pour toi. Ça arrive, qui arrive. Yes, pas de soucis. On te les transmet. Évidemment, on va parler musique parce qu'on est là pour ça. Mais pas que. On va parler de merchandising aussi. Parce qu'on a découvert que t'as un petit peu de merchandising toi-même. Ah bon? T'as une petite tasse qui est sortie avec ta pochette d'album. Ah oui, pardon. Waouh. Wow. Déconnecté. Le mec n'est même pas au courant de ce qui se passe. Mais si, j'ai même fait la promo. Bah oui. J'ai fait l'instant télé-shopping. Elle est bien, ta tasse. Et puis, la chanson s'appelle Tu Mentais. On sera bien obligé à un moment donné de se faire un petit jeu de menteurs entre nous. Ok. Un petit truc qu'on va devoir. Vas-y. En deux minutes, mais en tout cas, je suis content de t'avoir. Tu sais qui. Et moi, je vais vous dire un truc sur Kinvé. Et je le dis à chaque fois. Nous, on charrie souvent dans l'émission plein de gens, et tu sais très bien qu'on charrie aussi. Et moi, ce que j'adore, c'est que celui qui se charrie le mieux, c'est Kinvé. Ouais. Suivez-le sur les réseaux, vous allez rigoler des vannes qui se fait lui-même. On s'écoutera Z et Boris Way dans deux minutes. Bienvenue sur Fun. 19h, 22h. C'est Cartman. Sur Fun Radio.
19h, 22h, c'est Cartman. Cartman. Sur Fun Radio. 21h29 sur Fun Radio, il est notre invité ce soir et je vous demande de faire de beaucoup de bruit pour lui. C'est Kinvé qui est là juste en face. Oh, je fais même du bruit pour moi, ça devient pitoyable. Ouais, ouais, trop cool. Tu mentais, nouveau tube de Kinvé en featuring avec DJ K-West. Ouais. Nouvel album Équilibre qui sort le 7 juillet, vous pouvez déjà le précommander. Et puis c'est la tournée, ça démarre le 21 juin. Et un peu la date, j'ai envie de dire, une des dates les plus spéciales, c'est le 18 novembre 2023, Zénith de Rouen. On fêtera tes 15 ans de carrière là-bas. C'est ça. Et attends, parce qu'aujourd'hui, on a annoncé une tournée pour printemps prochain. Parce que là, on fait une tournée d'été, donc c'est un peu tous les titres qu'on fait d'habitude, tu vois, en gros. Et là, par contre, on a l'anniversaire, donc là, c'est le 18 novembre. Et après, on part en tournée à partir de mars prochain. Ouais. On fait Équilibre Tour. Et ça fait bientôt maintenant 5 ans que j'ai pas fait de tournée. Donc là, la prochaine tournée, c'est la tournée de l'album. Ouais, mais là, c'est en fait, on va vraiment, mais même à partir du 18 novembre, en fait, on va plus faire un concert. Toi, t'étais déjà venu me voir. Ouais. Mais on va plus faire un concert, on va vraiment faire un spectacle. On est parti sur autre chose. Ah non, vraiment, je suis parti dans un mood. Tu vas faire comme Johnny, tu rentres en bécane ? Non, je rentre en hélicoptère sur la scène. J'ouvre le toit du Zénith. J'ouvre le toit du Zénith juste pour moi. Imagine, il dit ça en rigolant, tu vas le voir en concert, il arrive vraiment en hélicoptère. L'enfoiré. Oui, Marion. Non, juste, il y a une question qui revient tout le temps, partout. Donc, est-ce que tu peux le dire une bonne fois pour toutes ? À qui tu parles dans Tu mentais ? Qui t'a menti ? Non, personne en particulier. Parce qu'il faut rappeler dans Où t'étais ? Oui, c'est un peu plus particulier. Plus particulier. Bah, là, il n'y a personne. Non, là, il n'y a personne en particulier. Ah. C'est vraiment c'est un mood. D'accord. C'est vraiment un mood. Ouais, c'est un mood. Pas destiné. En fait, Non, c'est pas destiné. Il n'y a pas de destinataire. On a vu sur ton Insta, donc tu as sorti un produit merchandising de fou pour ton album, une tasse noire qui dévoile la pochette de l'album quand on met de l'eau chaude dedans. C'est vrai, il faut bien la remplir jusqu'en haut. Hein, Sinon, tu es décapité. Parce que moi, en fait, je prends des expresso le matin. Ouais. Et donc j'ai mis mon expresso comme une grosse merde et j'avais le bas. Donc pour faire bonjour, c'est ridicule. Voilà mon autopromo. Attention, course en sucre, on voit que les couilles. Faut me rallonger ça, les gars. Tiens, ça nous a donné une idée de chercher les pires produits dérivés de Star, parce que le tien est bien, mais il y en a qui sont vraiment chiens. Par exemple, pour Casino Royale, on pouvait voir. Est-ce qu'on pouvait. Je te donne des. Tu me dis c'est vrai ou faux. Okay. Pour Casino Royale, on pouvait sucer Daniel Craig, car la marque Del Monte avait sorti une sucette glacée à son effigie. C'est tellement improbable que je dirais oui. Eh bien, c'est tout à fait vrai. Ah ouais, ouais. Ils avaient eu cette idée incroyable, cette idée merchandising incroyable, très bonne idée. Une sucette où tu pouvais sucer Daniel Craig. Céline Dion a sorti des jetons de casino à son effigie quand elle a chanté à Las Vegas. Au César ? Alors, j'y suis allé, je ne les ai pas vus, je t'avouerai, donc je dirais faux. Eh bien, c'est vrai. Ok. Ah ouais, on a regardé en photo. C'est trop bien, ça. J'ai vu à Las Vegas. C'est de l'être extraordinaire. Ah, incroyable. Bah, c'était un show. C'est, elle est trop loin. Les pièces sont dégueulasses, par contre. C'est collector. Mais soyons honnêtes, visuellement, c'est pas dingue. Dégueulasse. On peut voir la tête du prince William et de Kate Middleton sur des faux ongles, des préservatifs, des lunettes de WC ou encore des sacs à vomi. Je suis pas sûr qu'ils aient fait les préservatifs, je te jure, c'est pas possible. Non, Eh bien, tu te trompes, tout cela existe. Regardez, on a toutes les photos, notamment les condoms qui s'appellent les Crown Jewels, avec un petit jeu de mots sur les joyaux de la couronne. Ah, de la couronne. Ah mais c'est pas officiel, c'est pas officiel. C'est les produits dérivés. Je sais pas si c'est Buckingham qui les a sortis. Non, je suis pas sûr. Ça me paraît bizarre. Gims a sorti des pyramides à piles avec sa tête dessus. Putain, on sait que c'est énorme, mais ça serait très drôle. Ça serait tellement drôle. Moi, je trouverais ça extraordinaire. Il aurait fait vraiment super 7ème degré là. Ça aurait été génial. Ouais. Zaz a sorti une marque de gel douche. Non, on arrête avec Zaz. Okay. On arrête avec Zaz. Et elle a dit, je l'ai vu en interview, elle a dit, je me lave. Non, mais elle a été obligée de préciser que genre, elle a dit, mais putain, je me lave. Quoi. En fait, à force de comporter des trucs comme ça, c'est que les gens, ils y croient vraiment. Bien sûr. Mais c'est pour ça qu'on le fait. Je rime, pour Isabelle. Elle est toute gentille. Mais quand elle aura un partenariat avec Obao, elle nous remerciera. Je ne cautionne pas. Je ne cautionne pas. Toi, t'as Tahiti, elle a la tante Tahiti douche. C'est pas pareil. Hein. David et Victoria Beckham ont sorti des papiers toilettes avec leur tête dessus. Cette fois-ci, c'est eux. Waouh. C'est possible. Bah, je dirais oui, vas-y. Eh bien, c'est vrai. C'est super gênant. Regardez, ils ont vraiment fait du PQ avec leur tête dessus. Mais pourquoi ? L'image est horrible. Tu peux te torcher avec la tête de Beckham. Ouais. Mais pourquoi faire ? Mais non, mais faites des trucs qui ont un sens. Qu'est-ce que t'as envie de te torcher le cul avec la gueule de Beckham ? Ça va pas ?
Moi, je voulais en faire avec le logo des autres radios. Ah, oui, de faire à nos auditeurs. Mais apparemment, politiquement, ça pose un problème. Francis Lalanne a sorti des gilets jaunes à son effigie. C'est l'ego, peut-être. Si, non, non, si, non, ça se pourrait. Non. Non, c'est faux. Pour être au plus près de ses fans, voire dans ses fans, Rammstein. C'est Rammstein. Ouais, c'est un groupe de rock. Il est sorti exactement des godes. C'est fort possible. 50 Cent l'avait fait, donc pourquoi c'est pas vrai, pas vrai. Un sextoy. Ouais. Non, je crois pas. Si. 50 Cent. Regarde, bah, je vous montre un tout de suite. 50 Cent l'avait fait, effectivement. Et Rammstein l'a fait aussi. Okay, ouais. Cool. Et apparemment, il y en a pour. Voilà. Pas gênant. Toutes les tailles. Pas gênant, pas gênant. Non, pas du tout. Non, génial. Non. Pas gênant. J'espère qu'il n'y a pas un petit haut-parleur comme les cartes anniversaires avec la musique des gens. Norman a sorti des poupées, des barrettes et des My Little Pony avec sa tête dessus. Mais c'est très bien, c'est mérité, on y va. Là, ça, on prend fort. C'est faux, c'est faux. Et puis Kiss a sorti un cercueil pour ses fans. Ils leur ont dit pour nos fans, jusqu'à la mort. Ah, c'est possible ça. Kiss, c'est un groupe de rock. Ça va, ouais. Non, je dis pour les auditeurs. Ok. Si, ça marche. Ouais. Ils sortent beaucoup de merchandising. Eh bien, regardez, il y a effectivement le cercueil Kiss. Et c'est un vrai cercueil. On peut être enterré vraiment dans le cercueil. Ça a de la gueule. Ça a de la gueule, mais c'est tellement mauvais goût. C'est incroyable. Tellement mauvais goût. On est sur waouh. Alors que moi, j'ai commandé un cercueil Zidane pour le jour de ma mort. Et je trouve que là, quand même, on est vraiment quand même au-dessus. Il y a que le numéro 10. On est dans la classe. On est dans la gêne. On est dans la gêne. Effectivement. Dans deux minutes, évidemment, on va rendre hommage à ce nouveau tube qui s'appelle Tu mentais. On a un petit jeu des menteurs à te proposer juste après Boris Way avec Kings and Queens sur Fun Radio. On aura aussi des questions de plein d'auditeurs encore pour toi. Le live surtout. Et puis, attendez, ça va être notre petit péché de fin d'émission. On va se faire un petit laver avec Kinvé. Juste, je vous mets pas ça trop tôt parce que si vous n'êtes pas encore en vacances, c'est trop de soleil d'un coup. Trop de soleil. 19h, 22h, c'est Cartman. Cartman sur Fun Radio. Il est avec nous dans ce studio et je vous demande de lui faire un triomphe. Oh, je suis là. Quelle ambiance. Qui a fait le dernier cri? Il y a Battle. On a Fares, notre stagiaire vidéo. Bonjour Fares. Bonjour Kinvé. Bonjour, ça va? Je suis content de te voir. Voilà. Et Fares, il est très content. Depuis le début, il me dit quand Kinvé arrive, est-ce que je peux crier Kinvé? Je lui dis pourquoi tu dis ça comme ça? Et il me dit vraiment, regarde. Parce que j'ai des spasmes. Je voudrais te montrer ce qu'il voulait faire, comment il voulait t'accueillir. Vas-y. Wouh, Kinvé! C'est super gênant. C'est ils ont bien fait de pas te faire faire. Ouais. D'accord. Ta nouvelle chanson s'appelle Tu mentais. Ouais. On peut avoir un petit extrait de Tu mentais qu'on fera en live dans quelques minutes. T'es bien que tu mentais. On a trouvé des gens qui ont sacrément menti. Ok. Ah ouais. Mais il faut deviner sur quoi. Ah, okay. Tu donnes le début. Ouais, je donne le début. Vas-y. Et ensuite, vous devez compléter. Tout le monde peut jouer, même vous à la maison. Okay. Vous jouer. Même vous à la maison. L'influenceuse taïwanaise Mian Baobao a supprimé tous ses anciens messages, ne laissant que des excuses, reconnaissant qu'elle avait menti sur le fait... Qu'elle était un homme. Non. Qu'elle avait fait une chirurgie. Non. Qu'elle avait acheté des abonnés. Non. Est-ce que c'est un truc avec la bouffe? Non. Parce que les Taïwanais aiment bien faire des trucs avec la bouffe. Bah, c'est pas son cas du tout. Elle a fait du sexe. Ah ouais? Non. Elle était malade. Non, elle a fait quelque chose, je vous dis, pour gagner des abonnés. Un OnlyFans? Non. Non, pas un truc horrible, genre les morts et tout ça. Bah, pas loin. Ah ouais? Elle a fait croire qu'elle était malade. Elle a fait croire qu'elle était atteinte d'un cancer du pancréas. Non, mais non. Pour gagner des abonnés. Ah, ça, c'est dur. Ouais. Mais du coup, franchement... du coup, elle a dû perdre des abonnés. Bah, ça, c'est un billet VIP pour l'enfer, non? Direct. Ah là, mais là, tu es comme accès premier. T'entends taper par le sol. On t'attend, hein. Prépare-toi. Ici. Ça va pas. Prépare-toi, c'est affreux, hein. Chérie Papini, une américaine de 34 ans, a disparu lorsqu'elle faisait son jogging. Son téléphone et ses écouteurs ont été retrouvés sur le chemin. Elle a été retrouvée 3 semaines après, pieds et mains liées au bord d'une autoroute à 220 km de chez elle. Elle a été séquestrée, tabassée, torturée pendant 22 jours. Sauf que... C'était un mytho. Ah oui, c'était elle est partie en week-end avec son amant. Non. Et bah pas loin. Elle a inventé entièrement son enlèvement. C'est une mise en scène en fait qu'elle avait fait avec son amant, justement. Bah oui, c'est ça. Oui, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Tu la connais? Non, mais c'est ce que voilà. C'est toi l'amant. C'était moi l'amant. Je suis gêné de ouf. C'est allé trop loin. C'est affreux. C'est vrai que t'as très vite trouvé quand même. C'est bizarre. Le 24 avril 2020, un adolescent de 15 ans a retrouvé son père mort d'une balle dans la tête. Il a tout de suite appelé la police, sauf que. Il était pas mort. C'était lui? Non, il était mort. C'était lui? C'est lui qui? C'est lui qui avait tiré?
Oui, c'est lui qui a assassiné. Ouais. C'est glauque. Toi, il a dans la embauché police. Un camarade de classe pour le tuer contre 2000 euros. Non. La police a retrouvé un contrat signé entre les deux ados avec ce message. Si vous le tuez, vous avez 2000. Il n'y a pas de problème avec les condés. Vous inquiétez pas, mais je veux qu'il soit mort. Non. Ouais. Ah ouais. Alors après... Si on regarde ça d'un œil positif. Non, on peut pas. Non, si. Non, on peut, non, y a des trucs qu'on peut pas faire. Juridiquement, c'est quelqu'un qui a un bel avenir. Parce que faire un contrat. Pour 2000 balles. Ado, pour 2000 balles, en bonne et due forme. C'est un bon négociateur. Il y a un talent. Je pense qu'il pourra négocier avec ses autres compatriotes en prison, je pense. Oui, on peut. Et enfin, André Poisson, ferrailleur parisien en 1925, qui fait le plus gros coup de sa vie en achetant 7000 tonnes de métal d'un coup. Sauf que. Il a acheté des 7000 tonnes. Acheté les métaux, comment ? Il a acheté les métaux. Il a fait. Oh, t'as quoi comme métaux ? Il a dit, moi, je roule en Mercedes. Sauf que c'était pas des bons métaux. Ça, c'était, si, c'était le bon métaux. Ah, si ! Ah, c'est du bon métaux. Du cuivre. C'est de l'or. Non. De l'argent. Non, mais qu'est-ce qui peut se passer quand on se fait arnaquer ? Il a rien eu. Vous savez pourquoi ? Non. Parce que Victor Lustig, le mec qui lui a vendu le métal, en fait, c'était le métal en question, c'était la Tour Eiffel. Ah et bien, il n'était pas propriétaire de la Tour Eiffel, Victor Lustig. Il a touché l'argent, il s'est barré en Autriche et il lui a remis un faux contrat. Voilà, avec marqué en bas, nique ta rhum. Il lui a vendu la Tour Eiffel. Vous savez que la Tour Eiffel a été vendue plusieurs fois par plusieurs mecs. Donc... Ah ouais. D'ailleurs, alors pour les auditeurs qui s'intéressent, je fais gagner la Tour Eiffel. Je vends une Tour Eiffel sur Fun Radio. Appelez-nous, on fait gagner la Tour Eiffel tout de suite. Exclusivité sur Fun Radio, Capman. Ça serait extraordinaire quand même. Ouais. Non mais c'est vrai, hein, il est fort le mec quand même. Il est bon, hein, t'imagines, ah ouais, qui a vendu la Tour Eiffel. Mais non mais c'est comme, comment il s'appelle, Rocancourt. Oui, Rocancourt, oui, qui vendait des immeubles de. Et il était. Le mec qui passait devant des immeubles, il voyait qu'il y avait des travaux. Et donc il allait voir le mec, qui faisait des travaux, il leur disait ça va les gars. Et tous les jours il allait les voir comme si c'était le propriétaire. Et après il amenait un mec pour visiter. Et donc il arrivait sur le truc, ça va les gars. Les mecs le connaissaient et il vendait son immeuble comme ça. C'est fort. Mais c'est trop fort quoi. Putain, moi quand je dois vendre un truc sur le Bon Coin, je me fais toujours moins de 40 euros minimum. Je sais pas comment ils font les gars. On s'écoute Z sur Fun Radio ou on fait une pause? Ouais, petite pause. Alors vous savez ce que je vous propose? On fait une pause et direct après la pause, on se fait le live de Kinvey. Yes. Ok. Vas-y, ça vous va? Yes. Ouais, trop bien. On a quelques questions encore? Oui, il y en a qu'un. Bon, eh ben, live et questions pour Kinvey. Ouais. Et nos auditeurs, bougez pas. On revient. Pour réagir à l'émission, par vocal, message ou vidéo, ça se passe sur WhatsApp. Au 06 43 07 12 89. Fun Radio. Fun Radio. Sur Fun Radio. Capman, 19h22h. Sur Fun Radio. Ce soir, sur Fun Radio. Qui reste. Ah, mais arrêtez. Ah ouais, le jingle. Attends, là, j'en ai marre des jingles. Non, et t'avais pas envie de l'écouter. Maintenant, sinon, je fais fi des jingles, ah, d'accord bon. Je veux me consacrer à une seule chose. Notre invité de ce soir, Kinvey, qui est dans le studio. Faites du bruit pour Kinvey. Merci. Ouais. Non, c'est pas assez. J'ai dit, faites du bruit pour Kinvey. Qu'on veut. C'était bien, tu mentais. Tu mentais, c'est le nouveau single de Kinvey, oui. Featuring DJ K-West. Comment vous êtes rencontré avec DJ K-West? Bon, en fait, il a fait une trend sur TikTok, justement, qui était Angola rencontre Haïti. Et ça faisait. Et j'ai kiffé de ouf. Et je lui ai dit, ça serait vraiment. Moi, j'aime vraiment ton mood. C'était un vrai truc nouveau. Et j'aimerais bien un truc comme dans ce mood-là, un peu très festif, un peu très solaire et tout. Et m'a envoyé cette prod. Et tout de suite, ça a collé direct. Ça a marché direct. Il est fort, il est très fort. Et bien, vous le retrouvez sur ce titre. Tu mentais, qui fait partie de ce nouvel album de Kinvey, Équilibre, qui sort le 7 juillet, c'est déjà disponible en précommande, en évidemment. Précommande. Si vous voulez le voir sur avec la tasse. Avec la tasse. Ah ouais. L'accessoire de Kinvey. La tasse qui se remplit et qui montre le visage de Kinvey. Oui. C'est ton 11e album. Oui. Y a eu Phénomène, Carpe Diem, La vie est belle, Enjoue démon, Saltimbanque, Là où le vent me mène, 7. Thérapie, rêver, diamant et équilibre. Est-ce qu'il y a un lien entre tous ces titres? Non, le lien s'est arrêté à partir de Thérapie. Thérapie, c'était la fin du premier cycle. D'accord. Et je recommence avec rêver. Ah, depuis rêver, diamant, équilibre, il y a un lien. Ah ouais. D'accord. Ouais. Il y a quelque chose qui. C'est un lien pour toi ou c'est un lien pour les gens qui l'écoutent aussi? Normalement, il devrait y avoir un lien pour les gens. En fait, il y a quelque chose de nouveau depuis. D'accord. En
fait, ouais. Mais tu veux pas en dire plus. Mais non, c'est pas ça, c'est que le mood est nouveau. C'est-à-dire en fait, il y a quand même eu un changement. Ah, okay. Après thérapie, il y a eu un changement. C'est ça, d'accord. Mais c'est pas un code genre dans 10 ans, tu me diras, si vous prenez tous les noms des albums, il y a un coffre avec 50 000 euros. Tu sais que j'aurais su que j'aurais fait 11 albums. Bah, ouais. Tu sais que mon esprit tordu aurait cherché la première lettre de chaque truc pour dire merci, au revoir, genre un truc comme ça. Ça aurait été fou. Mais bon, merci. Non, trop d'albums. On a plein de questions pour toi qui arrivent sur le WhatsApp de l'émission 06 43 07 12 89 et sur les réseaux Cartman Fun Radio. Je pense que Mike nous suit sur le live parce qu'il dit comment tu fais Kinvé pour entretenir une si jolie barbe. Ça m'a fait rire. C'est vrai qu'elle est vraiment parfaite. Je mets de l'huile. Ah. Je la coupe régulièrement tel un bonsaï. Ah. Et non. Qui s'y pas. Non, en vrai, c'est pas moi qui le fais. Enfin, je t'assure qu'il y a des gens qui vont pas faire. Ouais, j'aime bien entretenir ma barbe, c'est important. Un peu plus sérieux, Maëlle dit il y a un nouveau feat avec ta sœur, Lorelei. Ouais. Au départ, elle voulait pas chanter. Est-ce qu'elle s'est prise au jeu? Est-ce qu'elle va enfin finir par sortir un single? Non, en fait, elle veut pas faire single. Ouais. Par contre, on a toujours parlé. Bon, ça fait 5 ans qu'on en parle, mais elle est de plus en plus pour faire un album commun. Ah ouais? Ah bah alors, cool, ça. Faut y aller maintenant. Oui, mais pour l'instant, oui. Non, mais attends, doucement. Ouais, il faut avoir les idées, il faut avoir le truc. Et puis avec ma soeur, ça c'est moi qui chante. Non, c'est toi qui chante. Non, c'est toi qui chante. Non, ça on ne disputera pas pour ça. Non, non, ça. Putain, c'est mon couplet. Tu fais chier. Non. J'ai toujours fait chier. On parle pas là-dessus, non. Comment tu trouves ton inspiration après tant d'années de musique? Comment tu arrives à te renouveler? Nous demande Valérie. En fait, le renouvellement, il passe aussi par les gens avec qui je travaille, par exemple. On est vraiment allé chercher des instrus de différents compositeurs, ce qui crée une certaine, comment dire, nouvelle création. Ah oui, de la fraîcheur. Ouais. Ouais, et puis moi j'écris maintenant avec mon manager avec qui il a un mindset assez différent du mien, ce qui fait que quand on crée ensemble, on a une façon de tourner les textes qui sont différents. Ton manager, c'est le monsieur qui est là. C'est le monsieur qui est là. Salut, comment il s'appelle? Curtis. Salut Curtis, ça va? Hey, Curtis, il est bien à l'aise là. Curtis, il est avec Kinvé depuis ce matin. Il ne peut plus le blairer. Ouais. Je dis, au début, on sent qu'il a fait un effort. Ouais, il a fait l'effort. Vraiment, il en peut plus. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui le fait rire. Et là, il se dit, putain de merde, il y a la finale de Koh-Lanta là. Et moi, je suis chez l'autre con sur Fun Radio. Il en peut plus. Avec Kinvé. Il est sympa à vivre, Kinvé, tous les jours. Oula, juste un petit clic l'épouse. Hein. Je viens de dire la vérité. Ça veut dire non, ça. Grand malaise. Non, évidemment, mais ça se voit que vous êtes complice. Tu dis souvent, d'ailleurs. En fait, on travaille depuis Rêver, justement, depuis le nouveau cycle. Et en fait, c'est ce qui a permis une certaine évolution et une élévation, même, je trouve, dans ce que je fais. Ouais. Et ça fait grave du bien. Et bien, justement, si vous avez vécu dans une grotte, là, ces 10 dernières années, et que vous n'avez pas allumé la radio, vous n'avez pas pu entendre Kinvé, ce soir, on vous présente Tu mentais, c'est nouveau titre de Kinvé. Et je vous dis, dans le studio, ça va être la fête. Chez vous, ça va être la fête. Montez le son, dansez, faites-vous kiffer. Voici Kinvé en live sur Fun Radio avec Tu mentais. Du bruit pour Kinvé. T'as pas toujours été sincère. J'ai comme l'impression que tu jouais avec mes sentiments. J'aimerais comprendre à quoi ça sert d'être pris autant la tête, car tout ça c'est finalement du choix. Mais c'est des tubes de ton comportement. J'avoue, j'ai toujours su. Tu mentais, je sentais bien. 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 Tu mentais. Tu mentais. Tous tes mensonges te tiennent en laisse. Je pense que t'as besoin de médicaments. Tu prends toute la place dans la pièce. T'aimes trop faire ton intéressant. Mais jamais des dupes de ton comportement. J'avoue, j'ai toujours su que tu mentais. Je sentais bien que tu mentais. Au fond, je te connais pas. Tous tes mensonges, tu vois. Rien que toi qui y crois. Tu dis n'importe quoi. Au
fond, je te connais pas. Tous tes mensonges, tu le vois. Rien que toi qui y crois. Et tu mentais. Je sentais bien que tu mentais. Tu mentais. Tu mentais. Je sentais bien que tu mentais. Tu mentais. Tu mentais. Je sentais bien que tu mentais. Tu mentais. Tu mentais. Je sentais bien que tu mentais. Tu mentais. Tu mentais. Tu mentais, tu mentais, tu mentais, tu mentais, du tu mentais. Oui, pour qui on va. Je sais comment ça se passe dans la tête des gens. T'en as plein qui étaient dans la voiture, ils étaient là, ouais, le nouveau Kinvé, vas-y, fais écouter. Au bout de deux secondes, ils étaient là. Ouais, tu mentais, mentais. Tu le truc bien dans tes temps. Hein. Mais ouais, mais c'est... ça, mais c'est ça qu'on veut. Ouais, ouais. L'été, mais franchement, l'été, c'est la saison. Oui, l'été, c'est pour s'amuser. Hein, oui. C'est pour s'amuser. Et puis regarde, une chanson comme où t'es. Le soir, quand t'en peux plus de ta journée et que tu veux juste être seul pour te détendre, tu fais quoi? Non, j'ai peur de vos réponses à la. Moi, j'écoute Cartman. Et seulement après, je me. Tous les soirs. 19h, 22h. L'actu n'aura plus jamais de mauvaises nouvelles. Mais tu n'es pas avec le seul. Cartman. Sur Fun Radio. Bienvenue sur Fun Radio. Si vous n'en jouez pas, malheureusement, vous avez tout raté. C'est la fin de l'émission. Et notre invité oui. ce soir. C'est con parce que là, il reste deux minutes. Il reste deux minutes. Ouais. Notre invité ce soir, c'était Kinvé. On avait plusieurs choses. Alors, évidemment, à vous dire que oui, vous procurez Tu Mentais et kiffer avec tout l'été. L'album Équilibre, c'est pour le mois de juillet. 7 juillet exactement. 7 juillet, ouais. Vous pouvez déjà le précommander. Et la tournée démarre mi-juin. Et c'est à quelle date c'est Rouen? Le Rouen c'est le 18 novembre. Et la vraie tournée commence. Là c'est une tournée d'été, mais ouais. La vraie tournée commence à partir de mars prochain. Le mieux c'est de suivre Kinvé sur les réseaux. Vous aurez toutes les informations exactement. En temps réel. Justement sur les réseaux, plein de questions pour toi. Vas-y. Sur les réseaux de Fun Radio ce soir. Oui, Carlos demande s'il y a d'autres projets à venir à part la chanson là dans les semaines qui arrivent. Les semaines qui arrivent, non. Télé, ah oui, bah si, on fait la chanson de l'année déjà. Ah oui, bah oui, ah bah oui c'est un rendez-vous même. Annuel ça. Ouais, ouais, c'est... non, pas annuel. Hein. Non, c'est... non, pas mais tout c'est un rendez-vous annuel ouais. à la télévision. Mais ou ouais, non, j'ai la chance d'être nominé avec Ne pars pas, je suis très content. Ah, c'est cool. Ouais, ah bah, ouf. Ouais. Est-ce que tu comptes offrir ton album d'une manière ou d'une autre, un concours ou autre? Je ne non pense pas. Bah, je sais pas moi. Un gratteur. Non, non, je pense pas. C'est pas prévu en tout cas. Bon, bah, c'est pas prévu, bah voilà. Désolé. Et tout. On est désolé. Va à la FNAC quand même. De radin, vous pouvez le voler quand même. Faut déconner. Quand on, il y a des assurances. Quand on veut, on se donne les moyens. Merde. Excusez-moi. Kinvé, on voulait vraiment te dire merci. Ouais. Merci d'avoir été avec nous. Comme chaque fois, c'est un vrai kiff de t'avoir. Et on voulait te faire participer à ce qu'on aime faire à la fin de l'émission. Allez, nous, qui fait très plaisir, Matt. Ah, oui. Mais, Matt, qui est juste après. Qui a moi, ça va, je suis quand même payé, donc ça va, finalement. Mais tu vas démarrer ce soir avec la chanson avec laquelle on termine d'habitude. Oui. Sur Fun Radio, voilà. Je crois, on peut le dire, c'est officiellement un des meilleurs morceaux de toute l'histoire de la musique. De la musique. Avec Baby Shark. Et oui, ah, Baby Shark, bien sûr. Baby Shark, ah, oui. C'est un très grand René Latoupe. Et René Latoupe, ah, oui, ah. Mignon. Voici Ozone sur Fun Radio pour se dire au revoir. Maria, Maria. Allez, c'est bon, coupez-moi cette merde. 22h03, on se dit au revoir sur Fun Radio. On se retrouve demain dès 19h. Oui. Et pour la question qui divise, on fait un tirage au sort parce qu'on a reçu beaucoup de réponses ce soir, Marion, c'est ça? Oui, beaucoup. On n'a pas eu le temps de tous les écouter sur la fin. Donc, gros tirage au sort pour vous offrir l'enceinte JBL Flip. Ah, bah oui, voilà, si, un cadeau. La réponse sur les réseaux, bah, c'est un très beau cadeau. Ah, oui, quand même. Matt, on te laisse. Oui, alors attends, parce qu'il y a Marius qui est à côté depuis tout à l'heure. Il me dit je veux appuyer sur un bouton. Donc, je le laisse faire ou pas? Bien sûr. Vas-y, appuie sur le bouton. Yeah! On vous laisse avec Matt sur Fun. Je t'avais dit, j'avais joué un petit peu la version qui tabasse de Drago Salienting, voilà. C'est la même version, sauf que bah, le mec il a pris des acides. Ouais, mais c'est ça. Voilà. Allez, bonne soirée tout le monde. Merci l'équipe de Cartman, merci Kinvé. L'After Fun Radio. Et bon, on va démarrer l'émission dans un instant avec du Purple Disco Machine, avec du David Guetta qui reprend la bébé. Oh, c'est parti, bienvenue tout le monde. Vous écoutez Fun Radio.